Hello, je vous retrouve donc pour la présentation de l'aquarelle d'Herwent, Graphiteinte. Donc voilà, donc juste après le vlog, je vous avais dit que je ferais du coup la présentation de cette aquarelle. Donc il est marqué sur la palette, donc palette nomade de carré aquarelle Graphiteinte. Mélange unique de graphite et de pigments pour de vibrants effets et dans ton sur ton. Donc par contre, désolée, mais je suis... je sais pas comment ça se fait, j'ai des gènes dans la gorge, donc je suis désolée si je tousse ou quoi que ce soit. Donc ici, ils disent, la palette Nomad Graphiteinte de Derwent contient 12 demi-godets, pardon, d'un mélange unique de graphite et de pigments. Ce mélange unique offre une palette idéale pour obtenir des tons denses et subtils aux reflets de graphite. De fines particules de graphite se déposent dans le grain du papier pour créer une myriade d'effets. Il est recommandé d'utiliser un papier aquarelle grain fin pour faire ressortir l'effet subtil micacé du graphite et mettre en lumière les dégradés. La palette de teintes feutrées est idéale pour le paysage de nature ou de ville. Contient 12 godets de couleurs graphiteintes, un mini pinceau, une éponge et une palette avec 5 alvéoles de mélange. Donc cette palette, je l'ai payée 25 euros. Vous allez me dire que c'est cher, mais après ça reste ben, du Derwent tout simplement. Donc je l'ai vu passer, comme je le disais, dans le vlog sur plusieurs chaînes de youtubeuses. Mais ça faisait déjà quelques temps que je l'avais vu. Et après, il y en a d'autres. Donc je pense que je me commanderai les autres que j'ai trouvées. J'ai pas encore vu de youtubeuse française qui en avait acheté. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci, peut-être dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Donc vous avez, donc comme il le dit, 5 parties pour faire vos mélanges. Là, ils vous mettent déjà un nuancier, un nuancier un peu transparent, là, comme ça. Avec les teintes. Puis, hop, on va enlever ça. Donc, il y a un film tout autour. Donc ensuite vous avez la petite éponge. Ça par contre je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne l'ai pas bien remise. C'est ce qui a un sens. Voilà. Et vous avez le pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc il est bien marqué du coup la marque Derwent. Bon. Comment se faut-il s'y prendre? Est-ce qu'il faut enlever ce bazar-là ou pas? Bon, apparemment, oui. Je vais mettre de l'eau. J'en ai de tout à l'heure. Bon, l'eau sera peut-être pas propre, propre. Coup, je vais vous dire ce que j'en pense du... Mais du coup, du feutre. Ah, du feutre. Du pinceau à réservoir d'eau. En tout cas, comparé à un classique. Bon, là, c'est de la marque. C'est même pas une marque. Celle-là, c'est AliExpress, je crois, ou Amazon, je ne sais plus. Il est vachement plus petit. Après, je suppose qu'il y aura de la qualité, vu que c'est Derwent. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer sur papier blanc ce qu'elle donne. Donc le blanc c'est tout simple. Après il dit ça grain gris naturel et noir. Donc je ferai à grain. Après ça sera pas du papier aquarellable, mais c'est pas grave. Ouf. En tout cas quand on verse l'eau il est très... Allez, il coule vite en tout cas. Je vais essayer de faire en sorte que la mine soit un peu plus molle. Parce que là elle est vachement dure. Voilà, ça c'est mieux. Donc ici, apparemment c'est dans l'ordre. J'avais vu à Johanna, je crois qu'on s'est les enlevés par partie. Ouais, voilà. Est-ce que ça tombe facilement? Ouais, donc il tombe facilement par contre. Donc faites bien attention. Ouais, elle s'enlève facilement. Mais je pense que c'est pour dire qu'on sache les mettre ailleurs, je pense peut-être, non? Non. Pas l'air à voir qu'on s'est enlevé les godets. J'essaie de les enlever d'ici, mais à mon avis. Ah, quoique. Je pense qu'on s'est les enlevés, mais
Avec du mal. Voilà, donc on s'est enlevé les godets. Si vous voulez les mettre ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Je mettrai toutes les derventes ensemble quand j'achèterai les autres et je ferai le même principe, je pense, que dans que les primas. Je les mettrai tous ensemble. Donc, oups. Je vais aller donc dans le même ordre. Là, je vais mettre là et là pour que vous puissiez voir. Bon, d'abord, je vais mettre un peu d'eau partout. Et après, je regarderai avec vous s'il y a les couleurs là dans les Intense. Bon, je l'amorce. En tout cas, on s'est allé loin avec. Enfin, je pensais que j'allais mettre, mais là, non. En tout cas, les couleurs sont très intenses. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, par rapport au nuancier, je trouve que ça ressemble pas vraiment à la couleur qu'ils disent. Après, ça dépend peut-être du style de papier. Bon, c'est vraiment bien l'étendre, je trouve. En tout cas, le pinceau à réservoir d'eau, je l'aime beaucoup. En tout cas, les couleurs sont vraiment belles. Moi, c'est ça qui m'embête. Je suis un peu maniaque là-dessus. J'aime pas quand le pinceau redevient pas blanc. C'est bête, hein, mais je suis maniaque de ce côté-là. Voilà. En tout cas, ça ressemble pas du tout au nuancier, je trouve, qu'il y a au-dessus. J'essaie de bien rincer mon pinceau. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Donc celui-là, c'est censé être celui-là, 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 celui-là. Celui-ci, c'est censé être celui-là. Celui-là, c'est censé être celui-là. Le bleu ici, c'est censé être celui-là. Et celui-là, celui-là. Six. Non, je vous dis une bêtise. Celui-ci, c'est celui-là. Par contre, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai des paillettes. À mon avis, c'est ce qui était sur mon papier. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais faire celui-ci. Là, je vais le faire juste ici. Là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Donc celui-là, c'est censé être celui-ci. Peut-être décalé. Est-ce que vous avez peut-être une astuce pour bien laver les pinceaux quand vous avez fini? Hop. Celui-là, il est vachement pigmenté. Wow. C'est mon papier qui est pailleté ou c'est les aquarelles là? Parce que. Et la couleur là est vraiment trop belle. Bon, désolé si vous entendez mon fils, il joue dans sa chambre. Donc celui-là,
Cette couleur-là, c'est la couleur-là. Celle-ci, 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 celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'en ai zappé une. Mais laquelle? Je pense que celui-là, ouais, c'est celui-ci. J'ai zappé une couleur. Je pense que c'est celui-là que j'ai dû zapper. Ouais. Donc celui-ci, ça doit être celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là, celui-là. Hop. Mais je sais pas si c'est mon pinceau, enfin le fait qu'il y avait des paillettes, mais j'ai des paillettes sur mon pinceau. Je vais essayer de le nettoyer après avec du savon. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà les couleurs. Je trouve qu'elles sont quand même vachement, vachement intenses. Et franchement, le genre d'aubergine, j'adore. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de vous faire un petit dégradé. Je vais juste me repérer. Mettre un peu d'eau. En tout cas, elles se font très bien entre elles, donc j'ai testé les deux là. Peut-être mettre un peu de celui d'à côté. Donc vous voyez, elles se font quand même pas mal entre elles. Et on peut aller super loin, franchement, j'adore. Maintenant, je vais vous montrer sur papier noir ce que ça donne. Je vais mettre une vieille feuille que mon fils a fait ses dessins pour dire que ça ne tache pas mon autre feuille, même si c'est pas vraiment important. Je vais essayer sur fond noir, mais je ne sais pas si on verra grand-chose. Mais je vais toujours essayer pour vous montrer. Hop. Donc avec le passoire réservoir d'eau, donc vous avez ceci qui est accroché, donc vous devez l'enlever et puis visser les embouts. Ouais, sur le papier noir, on ne verra rien. Je pensais qu'on aurait vu quelque chose, mais non. Non, on ne verra rien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer du coup s'il y a des teintes similaires dans les Inktense. Vous voyez, j'ai bien fait de. Et encore, ça a passé quand même au travers. Vous voyez, elle a passé à travers ma feuille. C'est pas grave. Donc c'était le dégradé. Bon. Voyons ça. Donc Donc vous voyez, ça, ce sont les. Je vais peut-être fermer ça. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont les Intense et là les godets. Donc vous voyez, il y a des couleurs qu'on dirait qu'il n'y a pas. Ça, on dirait que ça ressemble un peu à ce bleu-là, mais un petit chouïa peut-être plus clair. Le vert-là, vous le voyez, il n'y est pas. Celui-là, on pourrait peut-être croire que c'est celui-là en plus foncé. Mais les couleurs sont vachement intenses, vous voyez, comparées aux Intense. Ça peut faire aussi des bons. Allez, quand on regarde cette teinte-là avec celle-ci, par exemple, avec les violettes. Ça peut bien faire des intermédiaires entre, genre même celle-ci. Donc voilà pour cette petite explication. Je vous mettrai en barre d'infos
soit sur celle-ci, soit sur le vlog, du coup, pour que vous puissiez retrouver, du coup, cette palette. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.